voici les nouvelles du pays. Oh. Bonjour mesdames, messieurs. Acclamons ici la star du moment, le père Mikou. La vie est beau. On le connaît tous hein, actuellement, le père Mikou, voilà, dit le père Izé qui prête actuellement sur le son des 100 façons. Alors la polémique actuellement c'est que le père Mikou dit Izé fait des prestations un peu partout dans des événements sans même que les artistes soient avisés. Il paraît que tu es un manager. Non, c'est... Le père, tu es sûr de ça? Oui, il y a un manager parce que je travaille dans le où je travaille. Tout est gâté. Laisse affaire de pascule, là, laisse affaire de pascule. Mais quand tu vas faire tes prestations, là, voilà, tu danses sur quel son? Izé. Mais au départ, quand il faisait ça, on parlait pas. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a un succès, maintenant qu'ils vont parler de ça. Non, ne vois pas les choses de cette façon-là. Le truc est simple. Écoute un peu. Si les gens t'appellent pour une prestation sur le son Izé, tu dois pas le faire. Voilà. Tu as compris maintenant? Pas de problème. Après, c'est les sons. Okay. Tout est clair maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous verrez, nous verrons tous le groupe Sans Façon et le père Mikou en harmonie, voilà, dans des prestations. Admirez un peu ce que ça donne. Ah, c'est quelle vidéo ça? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vous connaissez ce monsieur là? Non, je vois pas bien. C'est qui ça? Apoutou National. Ah oui, Apoutou. Le miel de Paris. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu faire vidéo à Château d'Eau pour sensibiliser nos frères de ne pas prendre bateau pour venir en Europe. Mais en même temps, tu aurais pu vraiment rester chez toi ou être dans un endroit sûr pour faire cette sensibilisation là, voilà, à travers tes vidéos, comme tu as l'habitude de faire. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune qui est venu. Merde. Qu'est quoi? Il y a un jeune qui est venu. Petit. Mm-hmm. Ok, continue. Il y a un jeune qui est venu. Et son boy, ils ont commencé à m'agresser. Oh, Yako. Ils ont déchiré mon habit. Ils ont déchiré ma montre. Vous voyez, non? Non, on voit pas bien. Ah, où est mon habit, non? Où est mon habit? Vraiment, Yako, à toi, comme on le dit chez nous, beaucoup de courage. Mais vu que tu n'as pas pu avoir gain de cause, tu n'as pas pu faire ta vidéo, le moment est venu pour que tu passes ton message à toutes ces personnes-là qui passent par l'eau pour arriver en Europe. Donc, nous t'écoutons. Je l'ai dit de ne pas prendre la mer. Juste parce que je l'ai dit de ne pas prendre bateau pour venir en Europe. Parce que si tu as pris le bateau pour venir en Europe, là, c'est mieux de mourir dans la mer. Parce que quand tu vas arriver ici, là, tu vas connaître les réalités du terrain. Parce que la France est dure. Parce qu'il y a la misère. Parce que c'est que la réalité qu'il y a ici là, c'est pas la même réalité qu'il y a en Afrique. À bon entendeur. Salut. Donc tu vois que tu pouvais le faire tranquillement chez toi ou dans un endroit sûr. Tout compte fait, le plus important c'est de pouvoir faire passer le message. Vu qu'il y a eu des incompréhensions, beaucoup de courage et on espère que à l'avenir les choses se passeront pas ainsi. Et que Dieu nous fortifie. Take care.